Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luc. Excusez-moi d'un petit retard d'une minute, j'avais des problèmes techniques. Euh, je suis avec Language Sprout, c'est ça, Language Sprout, c'est là, d'accord, bonjour. Euh, bienvenue à notre histoire en français numéro 11, numéro 11 ou c'est numéro 12 Je crois que c'est 11 ou 12, d'accord, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Au fait, c'est numéro 12. Hi everyone, this is Luke with Language Sprout. This is our 12th, I think I put 11th, but our 12th um, story time in French today. And we have a really fun story today. Um, this story is called La Chenille qui fait des trous. La Chenille qui fait les trou des trous. Voilà. The caterpillar who makes holes. So that's a hungry caterpillar. La chenille qui a faim. Oui, la chenille qui a faim. Euh, comment vas-tu aujourd'hui? On va chanter bonjour. On va chanter bonjour. Allez, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et vous? Et vous? Ça va bien? Ça va bien, tout le monde? Dis-moi s'il y a quelqu'un qui est confus ou confuse? Hum? Confus? Ça va aller, tu vas comprendre, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est timide Qui est timide Tu es timide, ça va. Mais ça va, ça va, ça va. C'est pas un problème. Non, faut pas être timide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est oh, fatigué Moi, je suis un peu fatigué. Et toi Tu es un peu fatigué Ça va, ça va aller. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste qui est triste. Dis-moi si tu es triste. Bonjour. 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 Si tu es triste, ça va, ça va passer, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ou contente Oui, content ou contente, tu peux dire que je suis content. Je suis content ou je suis contente Et euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui veut manger, qui a besoin de manger Oui, qui a faim. Mm, le chien a faim. Et vous savez aussi la chenille a faim. La chenille a faim. C'est pour ça qu'elle fait des trous dans des choses différentes. D'accord Alors vous allez voir ce que fait la chenille quand elle fait des trous. D'accord On va voir. Uh, before we get going with this lesson today, well, this story rather, About this hungry caterpillar that likes to make holes in things. Um, it's nice if you know the days of the week in French. Do you know? Do you see? Let's uh, go over them, and I'll put them in the uh, information that goes along with this lesson. I just didn't get a chance to do that because I had a technical difficulty getting going this morning. Yeah. It you know update your browser, everyone. Make sure. Or you can't do Facebook Live when you want to. Um, so, the days of the week in French. In Europe, uh, in France, like most of Europe, the week starts on Monday. So, we'll list the days of the week starting on Monday and we'll do it kind of like we're counting. Yeah, for the seven days of the week. Everyone, do it with me. Okay, let's go ahead. Lundi, Monday. Mardi, Tuesday. Mercredi, Wednesday. Jeudi, Thursday, vendredi, Friday, samedi, Saturday, dimanche, Sunday. Ok, on va le faire ensemble, on va répéter, s'il vous plaît. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça, c'est les jours de la semaine. Il y a sept jours de la semaine. Allez encore avec moi. Lundi, mardi, Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est les jours de la semaine. Alors, vous êtes prêts à lire notre histoire en français aujourd'hui qui s'appelle La chenille qui fait des trous Prêt On va le lire. On va le lire. Assez ah, intéressant. Regardons la chenille. Elle est longue. Elle est longue. Oui, c'est ça. Elle est longue. Quelle couleur est-ce que vous voyez quelle couleur La chenille est de quelle couleur Regardons, elle est verte. Elle est verte. Oui. Quelles autres couleurs Elle est rouge. Elle a la tête rouge. Et les yeux Les yeux, bon, jaune et vert. Jaune et vert. Elle a des antilles, si vous voyez. Oui, c'est violet et jaune. Voilà. Elle est très coloriée, la chenille. Bon, on va voir ce qu'elle fait. Ah, regardez, c'est des trous. Des trous, des trous, des trous, des trous, des trous. Trous. Des trous partout. Oui, des trous. Beaucoup de trous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous. C'est la chenille qui fait. Ah, elle fait des trous. Oui, vous faites des trous quand vous mangez des choses. Oui, il faut pas manger du papier comme ça. Hein. Des trous. Regardons, des papiers de couleurs différentes. Quelle couleur Bleu. Quelle couleur Jaune. Quelle couleur Orange. Quelle couleur Là, c'est noir. Quelle couleur C'est gris. Noir et gris. Et les trous, regardons les trous. Les trous sont de quelle couleur Les trous, c'est un trou. C'est un cercle. Oui, c'est un trou en forme de, en forme de cercle. Cercle. C'est blanc. C'est la couleur blanche. Voilà, c'est beaucoup de trous que la chenille fait. Ah, encore des trous. Encore, c'est que c'est joli ça, beaucoup de trous. Tous ces tous les trous de la chenille. Ah, regardons que c'est beau. Bon, regardons. Ah, encore, c'est des cercles, beaucoup de cercles. C'est les cercles, c'est après les trous, vous avez du papier qui tombe en forme de cercle. Oui, c'est ça. Alors la chenille qui fait des trous, voilà, qui fait des trous. Vous savez ce que veut dire faire, faire, faire quelque chose. Alors regardons ah le soleil et c'est écrit pour ma sœur Christa. C'est sympa. Oui c'est pour la sœur de l'auteur. Elle s'appelle Christa et regardons le soleil qui brille. Le soleil est content. C'est un beau soleil. Il fait du soleil aujourd'hui aussi. D'accord. On va commencer l'histoire. Ah, c'est la lune. C'est la lune. Et une feuille. Une feuille. Un arbre. Un arbre. Regardons ce qu'il y a écrit dans le livre. Ah, regardons, pardon. Regardons. C'est par là. Dans la lumière. Dans la lumière. De la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Alors, la lune est comme un œuf qui se repose sur la feuille. C'est ça. C'est ça, c'est comme un œuf. Un œuf, vous comprenez, un œuf, ce que font les poulets, les poules, plutôt. Oui, voilà la lune. Alors, c'est la lune. On tourne la page. Un beau dimanche matin. Ah, dimanche. Oui, c'est le jour de la semaine, dimanche. Un beau dimanche matin. Le soleil se lève. C'est le soleil. Il se lève. Et pop, pop. C'est quoi, pop Et pop. Le soleil se lève et pop. Une minuscule chenille. C'est la chenille qui sort de l'œuf. Oui, c'est elle sort de l'œuf. Elle a très faim. Elle a envie de manger. Elle a très faim. Oui, elle veut manger. Elle veut manger. Elle sort de l'œuf, de son petit œuf. Elle est petite. Elle est vraiment, vraiment, vraiment petite, 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 petite. petite, petite. C'est la petite chenille. Elle sort de l'œuf elle veut manger. Elle va faire des trous. Elle va faire des trous, c'est ça. Voilà, regardons comment elle fait des trous. Alors, aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. La chenille. Elle veut chercher la nourriture. La nourriture parce qu'elle a faim. Elle veut manger. Donc, elle part à la recherche de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle peut manger elle hein? j'ai envie de manger, j'ai faim, j'ai trop, trop, trop faim, je veux manger quelque chose. Alors, elle part et regardons ce qu'elle voit. Le lundi, ah, lundi, oui, lundi c'est le jour de la semaine, elle croque, croquer, elle croque dans une pomme, c'est une pomme, mmh, un fruit. Une pomme, une belle pomme rouge. Mmh, c'est bon, hein? Elle croque dans une pomme, elle y fait un trou. Voilà, le trou. Elle fait un trou. Mais elle a encore faim. Elle a toujours faim. Manger, 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 manger. Elle a toujours faim. Elle veut toujours manger. Oui, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Alors on tourne, on voit. Ah, donc une pomme. Et regarde, c'est la chenille. Elle sort de la pomme, vous voyez la chenille. Voilà, elle sort de la pomme. Et qu'est-ce que c'est? Le mardi, elle croque, croque deux poires. Un, deux, deux poires. Un, deux, deux poires. C'est les poires vertes. Oui, de belles poires vertes. Elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous. Elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Regardez. Un, deux, deux trous. Mais elle a toujours faim. Elle veut manger. Manger, manger, manger. Une pomme, deux poires. Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Elle veut toujours manger. Elle a toujours faim. Alors on va tourner. Regardons. Elle sort de, de la poire. Elle est là. Ah, qu'est-ce qu'elle a trouvé. Qu'est-ce qu'elle va trouver. Regardons. Le mercredi. Alors, c'est... Le troisième jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, le mercredi, elle croque... Ah, elle croque dans trois prunes. C'est des prunes. Des prunes violettes, des prunes bleues. Oui, elle croque. Elle y fait trois trous. Un, deux, trois. Hmm? Des trous. Un, deux, trois. Voilà, dans les trois prunes. Donc... Elle, elle a encore faim Elle a toujours faim. Elle veut manger, 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 sans cesse. Elle ne va pas cesser de manger. Elle veut toujours manger. Donc, regardons. Une pomme, une pomme, deux poires, trois prunes, trois prunes. Et, bon, tournons la page. Le jeudi, le jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jeudi, elle croque ah, dans quatre... Fraises. Donc quatre fraises. Alors, un, deux, trois, quatre. C'est les fraises, les belles fraises mûres, rouges. Elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Un trou, deux trous, trois trous et quatre trous. Mais elle a encore faim! Elle veut toujours manger. Manger, 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 manger. Manger, manger des prunes. Manger des poires. Manger une pomme. Manger des fraises. C'est beaucoup. Beaucoup de fruits. Oui, elle a toujours faim. Elle a une très grande faim. Oui, la chenille a une faim de loup. Mmh. Voilà. Alors, des fraises. Qu'est-ce qu'elle va manger le vendredi Le vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, elle croque ah dans 5 orange. oranges. 5 oranges. 1, 2, 3, 4, 5 oranges. C'est bon les oranges. Elle y fait 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5 trous. C'est les trous. Elle fait des trous encore. Toujours des trous. Mais... Elle a encore faim. Elle a faim. Mmh, elle veut manger. Elle veut manger. Donc, elle a mangé une pomme, deux poires, trois prunes, quatre fraises, cinq oranges, beaucoup, beaucoup de fruits. Alors, tournons la page pour voir le samedi. Qu'est-ce qu'elle va manger le samedi mmh, Qu'est-ce que vous pensez Regardons tout. Ça C'est beaucoup Comment, comment est-ce qu'elle va manger tout ça Bon, regardons. Le samedi Le samedi Pardon, oh, il faut approcher. Le samedi Lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Le samedi Elle croque dans un morceau de gâteau Un morceau de gâteau voilà, un morceau de gâteau... Mmh, c'est bon avec la souris, c'est un gâteau au chocolat. Mmh, c'est le chocolat. Mmh, c'est bien. Un morceau de gâteau, un cornet de glace. Un cornet de glace. Mmh, la glace. Tu aimes la glace? Un cornet de glace. Un cornichon. Un cornichon vert. Mmh. Un bout de gruyère. Mmh, la gruyère. Le fromage. Ah, que c'est bon. C'est bon, le fromage. Un saucisson. Voilà. Un saucisson. Mmh, C'est bon aussi. Mmh, je voudrais manger ça. Oui. Une, de la gruyère. Un saucisson. Une sucette. Mmh, une sucette. Voilà. Elle a croqué. Mmh, croqué. Ah. Une sucette. Quoi d'autre Un quartier de tarte aux cerises. Voilà. Les cerises. Une tarte. Aux cerises, oui, c'est un quartier, oui, une tranche de la tarte, mmh, c'est bon ça, c'est bon, je veux croquer, je veux, je veux, donne-moi à manger, je veux manger, je veux manger, donne-moi, c'est bon. Alors, quoi d'autre Une saucisse, une saucisse, mmh, c'est bon aussi, une brioche, une brioche, mmh, que c'est bon, c'est la brioche, et une tranche de pastèque, la pastèque. Elle a mangé un peu de pastèque aussi. Alors, regardons beaucoup de choses. Combien de choses Combien Regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a croqué beaucoup de choses. Regardez toute la nourriture qu'elle a croquée. Alors, et elle a fait des trous. Elle a fait des trous dans la nourriture, dans tout ça. Mmh, parce que c'est trop bon! C'est délicieux! C'est délicieux ça! Je veux manger! Tu veux manger? Tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi dans les commentaires! Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Tell me in the comments everyone! What, what do you want to eat here? Mmh? Qu'est-ce que tu veux manger? Du gâteau? De la glace? Un cornichon? Du fromage? De la gruyère? Un saucisson, une sucette, une tarte aux cerises, euh, une saucisse, de la brioche, de la pastèque. Mmh, c'est bon, tout ça est si bon. C'est si bon. Bon, d'accord, on va continuer. Le lendemain, le jour après, c'est de nouveau dimanche. Dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. La chenille croque, elle croque dans une belle feuille verte. C'est la feuille. Ah, la belle feuille verte, ça aussi c'est bon. C'est des légumes. Il faut manger les légumes, c'est ça Et se sent beaucoup mieux. Ah, c'est mieux. Elle n'a plus faim. C'est bon, c'est bon, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Regardez, elle a croqué. Croqué, 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 croqué. croqué. C'est des trous. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq trous. Cinq trous dans la feuille. Elle a croqué et elle dit. Mm, c'est bon. Oui, c'est bon. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Ah, bonjour. Bonjour Lila et Lorraine. Bonjour Lucia. Bonjour aussi pour la première fois. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir. Ah, j'adore. J'adore, super. D'accord, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, regardons. Ça va beaucoup mieux, elle n'a plus faim. Elle n'a plus faim, elle dit, c'est bon. C'est bon, j'ai mangé tout ça, elle a beaucoup mangé, elle a beaucoup mangé, c'est vrai. Bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, la chenille, c'est la chenille. Voilà, la chenille. Regardons, maintenant, elle n'a plus faim du tout. Elle n'a plus faim de tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle n'est pas petite. Non, elle n'est pas petite. Petite. Elle est devenue grosse et grasse. Grosse. Elle est grosse. Elle n'est pas petite. Elle est grosse. Devenue grosse, 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 grosse et grasse. Elle est grande. C'est une grande chenille parce qu'elle a trop mangé. Elle a beaucoup, 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 beaucoup mangé, 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 mangé. Elle est devenue grande et grosse et grasse. Voilà. La chenille, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive Elle se construit une maison. C'est la maison de la chenille. Voilà. La chenille, elle fait une maison. Une maison. C'est la maison où elle habite. C'est un cocon. Un cocon. C'est un cocon de la chenille. De quelle couleur est le cocon C'est marron. C'est marron le cocon. Mmh, C'est le cocon de la chenille. Elle s'y blottit. Elle entre dans le cocon. Elle va dans le cocon. Elle s'y blottit. Deux semaines. Deux. Un. Deux. Deux semaines. Deux semaines. Une semaine ça fait sept jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une semaine, une semaine et puis encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, deux semaines. Deux semaines, ça fait 14 jours. 14 jours, n'est-ce pas Deux semaines. Quand elle le perce et pour en sortir. Deux semaines plus tard, quand elle le, per, le perce pour s'en sortir, elle va quitter le cocon. Elle va percer, elle va quitter. Qu'est-ce qu'on va voir quand elle quitte le cocon Qu'est-ce qui arrive quand la chenille quitte le cocon Vous savez, quel animal Quel animal La chenille est entrée, mais elle ne va pas quitter en tant que chenille. Hein? Does anyone know what happens? So, we had a caterpillar make a cocoon, un cocon. and it went into the cocoon elle est entrée but it's coming out 2 weeks later deux semaines plus tard oui but it's not going to be a caterpillar anymore is it does anyone know what that animal's called in french now we're going to call it something else it's a new animal it's going to it changes into anyone know in french le le papillon le papillon C'est ça, la chenille est devenue une très jolie papillon qui vole, qui vole comme ça, c'est le papillon qui vole. Regardons que c'est joli, elle est vraiment belle. La chenille est devenue un papillon. Voilà, beaucoup de couleurs, quelles couleurs Bleu ciel, vert, jaune, rouge. Orange, violet, beaucoup, beaucoup de couleurs. Et les ailes, c'est les ailes de grandes ailes. Oui, c'est ça. Bon, regardons ce qu'il a écrit. Regardons. Elle est devenue un superbe papillon. Elle est devenue un superbe papillon. Oui, c'est ça. C'est le papillon. Superbe. C'est vraiment superbe. Regardons comme elle est belle. Bon, et... Ah, c'est tout? C'est tout? Ah, oui, c'est tout. Elle ne fait plus de trous, elle n'a plus faim. C'est tout. Les trous, encore. C'est la fin. C'est la fin. C'est tout. Des trous, des trous, des trous, des trous, encore des trous. Et des trous et des trous et des trous. Ah, c'était bien. Oui, regardons. Quand on finit, on voit le soleil et la feuille qu'elle a mangée, la chenille qui est devenue un papillon. Voilà, et le petit trou, le petit trou. Vous avez aimé cette histoire, c'est bon. Vous avez aimé, beaucoup aimé. Dis-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Dis-moi, j'aime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dis-moi, tell me if you like this story in the comments. Write the words, j'aime. J'aime. Oui. Does everyone know how to say that? J'aime. Voilà, j'ai écrit dans les commentaires. Ok, d'accord. Uh, a few things before we finish up, everyone. You know that we have our mini French lesson later today at 2:30. We are going to be drawing. In the newsletter, you got this sheet so you can draw. Because today, excuse me, we're working on zoo animals. Les les animaux de zoo. Les animaux de zoo. Voilà. So we're gonna draw some zoo zoo animals. Great. Get ready for that. Get your crayons out. subscribe to the newsletter to get the mat here with all the zoo animal photos and words and to get today's today's materials you need to draw. Okay? Be ready for that at 2:30 with me. À 2h30, on va dessiner ensemble, on va dessiner des animaux de zoo. Donc il vous faudra des crayons de couleur et tout ça. Ça va être amusant. Et pour la prochaine fois, la prochaine lecture, je vous donne le choix Je vous donne un choix, d'accord? You have a choice for the story that we're going to read tomorrow. Which book do you want? We have two books that are really funny and they have to do with a pigeon, a really a cute pigeon. Un pigeon. Would you like to read tomorrow, Ne laissez pas le pigeon conduire le bus? Don't let the pigeon drive the bus. Mm? Not a good idea. Le pigeon a besoin d'un bon bain. Or this one's called The Pigeon Needs a Good Bath. Probably because it drove the bus somewhere dirty. I don't know. We'll see. Which one do you want to read? Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. So you can write in the comments bus or pigeon bus. Or do you want to read Le pigeon a besoin d'un bon bain? The pigeon needs a good bath. You can write in the comments pigeon bath. Yeah, so we can decide. Vote for this. Votez oui, votez and we'll pick the book that you want depending on what you vote for. Pigeon bath, pigeon bus. Yeah, both of those are really fun books. Okay. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On va chanter au revoir. On va chanter au revoir avec moi. Allez. Au revoir, c'est la chanson qu'on chante à la fin. Au revoir, au revoir, à bientôt, à bientôt. À la prochaine, à la prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup tout le monde. Au revoir, au revoir, merci.